Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le live. Excusez-moi, vous n'avez pas besoin de voir ce qui vient de se passer derrière. Voilà, on vient de fermer là. On va mieux fermer, j'avais pas fait attention. Yeah. Bonsoir à tous et à toutes, c'est AQ en plein live qui va liver sur les Sims 4. Je crois que c'est la première fois que je live sur les Sims 4. Il y a une personne en particulier qui m'a demandé à un moment donné de live sur les Sims 4, c'était Emotionalis, qui est actuellement présente, d'ailleurs qui passe modo, et que je vais mettre maintenant modo pendant que j'y pense, parce que sinon je vais encore oublier. Pendant que j'y suis, paramètres. Ouais, tu peux te dire coucou. Modération, non, pas ici. Je suis encore un peu débutante, donc je sais pas encore gestionnaire. Là. Voilà, on retire Akael qui n'est plus du coup modératrice et on met Emotionalis. Emotionalis. Hop. Emotionalis, modérateur, enregistré. Et maintenant, si tu parles, tu devrais avoir une petite épée qui va apparaître à côté de toi, normalement, Emotionalis. Oui, je vais commencer depuis la création de mes Sims. Enfin, de mon Sims, du coup. Donc, effectivement, ce sera depuis la création du Sims. Comme ça, on le fait ensemble. Ça peut être drôle, je me dis, hein, effectivement. Du coup, alors attendez, il faut que je modifie certains paramètres aussi parce que genre mon Discord ne me dit pas que je suis en plein live aussi. Enfin si, le bot le dit, mais voilà, là tout le monde sait que je stream, chill, Sims 4, même pour cliquer directement sur moi. Du coup, j'ai quelques parties, mais nous on va faire une nouvelle partie. Voilà. On va voir si je commence les défis... Maintenant, alors, je joue sur du long terme, c'est-à-dire que mon personnage restera en mode adulte. Enfin, en mode adolescence, adulte, peu importe, jeune adulte, en tout cas. Jeune adulte, grand max adulte, on va dire. Et je vais utiliser les potions et tout. Et si ça se trouve, je vais peut-être le faire transformer en vampire assez rapidement, mais c'est un peu mon rôle préféré. Aimeriez-vous créer mon histoire? Nous commencerons par un quiz. Alors, j'ai pas envie de commencer par le quiz, j'ai vraiment envie de... Oui, voilà, je crois qu'on est tous un peu d'accord, les vampires, c'est le fun. Mais j'ai envie de pouvoir jouer un peu sorcier, d'apprendre la magie et tout, donc vu qu'on peut être un peu de tout pendant un certain temps, et ben on va faire un peu de tout. J'ai l'objectif de vouloir faire certaines choses, on va voir ça ensemble. Donc non, nous on veut créer directement le personnage. Déjà, je vais faire une fille, parce que bah... Alors, sachez que j'ai une tendance à vouloir sortir avec le vampire en question. Avec un vampire, toutes mes parties, faudrait que je vous montre, mais toutes mes parties sont quasiment avec un vampire, hein, sans que la mienne soit vampire, par contre, je tiens à le préciser. Alors, créons notre personnage, on va faire qu'un seul personnage, on va pas faire une famille quoi que ce soit, on va partir que sur un seul personnage. Ouais, Vlad, le petit-fils de, je sais plus comment il s'appelle, mais... Pas le vieux vampire, le jeune vampire. Fan de Twilight. Alors, j'aime bien Twilight, mais sans plus. C'est juste que j'aime bien l'univers des vampires, des loups-garous, tout ça. Je n'ai pas les loups-garous, d'ailleurs, sur le jeu. J'aime bien tout ce qui est magie et tout, parce que je joue beaucoup aussi magicien. Voilà. Du coup, partons déjà sur le personnage. J'ai envie d'une peau de couleur claire, un peu bronzée. Celle-là me paraît plutôt pas mal. Ouais, celle-là me paraît plutôt pas mal. Ensuite, faut te l'offrir le pack loup-garou. Oh, bah, il y a plein de packs Attends. Si tu veux, je reviens en arrière et je te montre ce que j'ai et ce que j'ai pas. Alors, attendez. Menu principal. On va montrer. Pendant qu'on n'a pas encore commencé le jeu. Du coup, pack. Tu vois, il me manque année lycée, il me manque vie à la campagne, il me manque escapade enneigée, écologie. Après, j'ai pas non plus loup-garou, mariage, décoration intérieure et voyage sur battu. Ça a l'air plutôt pas mal. Quelques queues de loup
En loup-garou. Ah ouais. Bah, t'as toujours plus souvent en Sims que moi, donc effectivement. Bah, en vrai, ça va, je trouve que j'ai pas manqué tant de packs que ça, à part les 4 derniers, effectivement. Parce que j'ai eu un petit moment d'absence. Donc ça, ce sont tous ceux que j'ai. Donc j'ai à la fac, j'ai l'île paradisiaque, j'ai Heure de gloire, j'ai les saisons, j'ai chien et chat, vie citadine, vivre ensemble au travail. Et après, j'ai les packs de jeux Monde Magique, Strangerville, Dans la jungle. Il y en a certains que j'ai pas encore fait, hein, croyez-moi. Mais que je me ferai peut-être bien à un moment donné. Et après, j'ai tout ça. Voilà, on sent un peu la fan. T'as plus de kits d'objets que moi, mais j'ai tous les packs d'extension. Ouais. Effectivement. Effectivement. Bah après, sur le long terme, peut-être que je me prendrai tous les packs, hein, petit à petit. Là, je joue principalement avec ceux que j'ai, de toute façon. Mais petit à petit, on prendra les autres. Parce que ça peut être intéressant. Alors, du coup, on a dit qu'on allait. Est-ce que je fais commencer par jouer scénario? Non, on a dit qu'on allait faire une partie de chill. On va commencer chill, du coup. On a dit qu'on allait créer le personnage entièrement de A à Z. Tu peux encore te prendre les collections, donc tu as quelques réducs. Ouais, mais pas aujourd'hui. Je prendrai pas aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai un peu la flemme de prendre. Est-ce que ça va? Vous m'entendez assez bien? Vous n'avez pas trop le bruit du jeu en arrière-fond ou autre? Parce que moi, je joue pas trop. Alors, quand je joue aux Sims, j'ai pas. Enfin, j'ai pas trop le son dans mes oreilles, hein, juste pour prévenir. Bon, ça va alors. Parce que je peux encore monter ma voix si vous voulez. J'ai appris comment faire l'autre jour quand on était sur Stardew Valley. Bon, ça va alors. Ça va, parfait. Alors, attendez. Hop, je baisse un petit peu ma cam. Voilà. Oh, ma meilleure amie d'enfance, je vous la présente, c'est elle, Ninami Manon, 17 ans qu'on se connaît. Écoute, je profite de mon repos, on a été manger un bon restaurant avec Simon, donc voilà. Et il faut que je te ramène tes fesses sur Discord un jour, hein, quand même, hein, parce que j'ai mon propre serveur de Discord maintenant. Enfin, au moins pour les streams. Alors, du coup, on part sur une fille. Alors, j'aime bien faire un peu d'aléatoire des fois. Sur l'aléatoire, je tombe sur des trucs sympas. Juste pour le plaisir. Alors, oui, non. Faut que je change le sexe. Comment je le fais déjà pour changer le sexe? Alors, excusez-moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas joué. Comment je change le sexe? En haut à gauche, le sexe. En haut à gauche, le. Non. Ah oui, putain, oui, effectivement, merci. Merci. C'est moi et Discord. Un jour peut-être. Bah après moi je m'en fous, j'étais sur j'étais sur mon PC, enfin sur on va dire sur Messenger, téléphone, tout ça. Alors, déjà on va prendre jeune adulte parce que si on veut faire la fac, voilà. Mais on va quand même continuer aléatoire. Des fois je tombe sur des trucs sympas. Juste pour le plaisir. J'aime bien son corps. Mais alors, la couleur de la peau. Ah, si, remarque. La couleur de la peau, on peut la changer. Je vais prendre ce corps. On va changer. On voulait prendre cette couleur. J'ai envie de faire un peu foncé. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ça fait un peu bronzé. Non, celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Ça fait un petit peu bronzé. La tenue. Ah, la dégaine. Clique sur les trois petits points. En dessous du choix de sexe. Clique sur les trois petits points. Ah oui! Ah ouais, j'avais pas vu. Votre Sims pourra. Eh mais tu sais que ça fait. Je découvre des choses grâce à vous les gens. Tomber en. Alors votre Sims pourra tomber enceinte, mettre enceinte d'autres Sims, aucun des deux, ok. Possibilité d'utiliser les toilettes de bouffe. Ouais. Orientation. Oh. Et même l'orientation aussi. Ah ouais! Au niveau amoureux, votre Sims a une attirance pour les hommes, femmes. Votre Sims explore les relations amoureuses. Votre Sims veut faire crac-crac avec des hommes et des femmes. Ça peut être drôle. Ouais. Il y a de ces trucs, hein, mine de rien.
Non mais on va laisser en mode normal de toute façon le truc. Alors, coupe de cheveux. On va peut-être lui changer un peu la coupe des cheveux. J'ai tellement pas joué. Bah ça fait long. Bah je t'ai dit ça fait longtemps que j'ai pas joué au Sims 4. La dernière fois ça remonte à décembre 2021. Donc tu te rends compte que décembre 2021 à maintenant, il y a une marge. Alors voyons voir un peu les coupes. J'ai envie de prendre des coupes que j'ai pas forcément l'habitude. Celle-là, c'est sympa. Ah, ça lui va drôlement bien. Bon, à part la jupe qu'il faudra changer, mais je trouve que ça lui va bien. Ouais, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Je sais pas si tu as l'information, mais si tu as acheté les Sims 4 jeux de passe, tu as jusqu'au 17 octobre pour avoir gratuitement le nouveau kit d'objets thème désert. Je crois que c'était quand ils ont sorti l'extension restaurant. Je n'ai pas eu l'information. Faudra que j'aille voir du coup. Mais comme j'ai dit, ça fait depuis décembre 2021 que j'ai pas joué aux Sims. Ouais, l'extension resto date depuis longtemps. Alors, que pensez-vous de la tête? Moi, j'aime bien. À l'heure actuelle. C'est les années de lycée. C'est les années de lycée que je pense que je prendrai en vrai. Alors, couleur des cheveux. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ah, rose. Oh, ah oui, non. Ah oh, oh, non, pas jaune. Pas rose. Non, cette couleur-là, ça lui va bien. Tu me donnes envie de jouer. Ah bah, tu m'étonnes. Et franchement, un jour, s'ils font les Sims en multi, let's go. Vraiment. Non mais je vais lui laisser les cheveux noirs. Je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Ou cheveux noirs ou un peu les cheveux de cette couleur-là. Qu'en pensez-vous? Noir. Ouais, on est d'accord. Noir, hein, ça rend mieux. On va prendre noir. Noir, ça rend bien. Ok, donc on a dit noir. Ensuite, chapeau. Tout dépend du style, hein, mais là on va pas mettre de chapeau. Les accessoires, par contre, si on peut mettre des accessoires. Année lycée, c'est cool, mais perso, je galère à gérer mes ados. J'ai failli en tuer un à cause de mes émotions. Allez au bouton. Ah oui, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça, juste avoir le micro, tout va bien. Alors, des boucles d'oreilles, ça peut être sympa. Non. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Il peut y avoir d'autres couleurs. Celle-là, ouais, en fait, celle de base me paraissent pas mal. On va rester sur les couleurs de base. Du coup. PTDR, t'es sadique avec tes Sims. Ouais, non, mais. Ou alors les plumes? Ah, les plumes, ça rend vachement bien. On va prendre les plumes plutôt. On va changer la couleur par contre. Rouge? Ah non. Bleu? Ah, bah le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc, mais ça ressort pas assez. On va. Ça ressort pas assez. Blanc? Ah, blanc, c'est pas mal. Blanc, c'est pas mal. On va garder blanc. Ok. Collier. On va mettre un collier. Oh, bah, on a mis des boucles d'oreilles. On va mettre un collier, forcément. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'aime bien ce collier-là, en général. Lui aussi, pas mal. Ah, lui, il va même mieux. Bleu. Blanc. On a les boucles d'oreilles blancs. On va mettre en blanc, du coup. Blanc. Ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, elle est pas mal celle que d'un côté, je suis d'accord. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ok, passons au maquillage. Ça va être un massacre.
Alors, maquillage. Regardons. Oh, pardon. Je crois que je vais peut-être pas mettre de maquillage en fait, hein. Attendez, on va rapprocher un petit peu. Celui-là, ça va, il est pas trop foncé. Et ça ressort assez bien. Ouais, non, mais c'est ça, hein. T'es là en mode, mais non. Mais celui-là, je trouve que ça va. Ah, les lèvres. Maintenant, c'est les lèvres. Passons aux lèvres. Ah, c'est simple. C'est simple, c'est plutôt pas mal. Rouge. Ah, trop rouge. Ok, je peux changer la couleur. Souvent, je mets du. Tu m'étonnes. Cette couleur paraît plutôt pas mal. Vous en pensez quoi? Ça va, c'est pas trop. Moi, ça dépend. Des fois, justement, on peut atténuer la couleur. Je vais regarder ça. Faut que je remonte. Merde. Je voulais remonter. Oh, on remonte. C'est lequel déjà que j'ai pris? Au secours. C'est lequel que j'ai pris? Esprit. Je peux effectivement atténuer la couleur. Ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est. Ok, oui. Déjà, on va regarder la couleur qui lui va mieux. Non, non, non. Non, au pire, on va pas mettre du tout de rouge à lèvres. C'est juste que celui-ci, je trouvais qu'il allait plutôt bien. Ouais, non, mais je veux pas la maquiller. Les yeux, encore, ça passe. Je trouve que les yeux, ça lui va quand même assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les yeux, ça va. C'est pas trop flagrant, c'est pas trop. Ça devrait aller. La tenue, parce que oui, bah, la tenue, hein, la jupe. Alors le haut, je l'aime bien, hein. Mais alors, la jupe, on va pas se mentir, je l'aime pas. J'avoue que j'aurais fait peau de peinture noire. Ouais, non, moi pour le coup, je trouve que ça lui va bien, cette couleur-là. Après, j'ai envie de dire. Ah oui, on est d'accord. Le haut, il est bien, hein, mais alors la jupe, elle ne va pas du tout avec, hein. Allez, on va regarder ça. On va regarder. La tenue. En vrai, j'aime bien ce genre de tenue. Bon, par contre, c'est moi ou elle a de sacrées hanches? Pourtant, c'est tout normal, hein. Excusez-moi. Ah, on est d'accord, elle a de sacrées hanches, hein. Attendez, on va réduire. Ah, ça. Là, ça rend mieux, non? Ouais, là ça rendrait un peu mieux quand même, ces hanches. Allez, c'est comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, est-ce que je garde. Ouais, j'ai bien envie de garder le pantalon comme ça, le haut comme ça, en vrai. Ça me paraît plutôt pas mal. Les chaussures, on va les changer. Hein. Excusez-moi, les chaussures, je vais les changer. Les hanches, ouais, ça me paraît pas mal. Ah, là, elle est bien. Elle est bien. Les chaussures. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? J'aime bien ces chaussures-là. Ouais, non, elles sont grosses, les chaussures. Ouais, on est d'accord. Ah, j'adore ces chaussures-là. Ah, non, mais ça va au top avec la tenue. Franchement. On reste avec cette tenue-là. Elle est juste parfaite, je trouve. Bon, à part le jean un peu déchiré et tout, mais voilà, c'est le style. Mais je le trouve très bien, en fait, son haut, son. Surtout avec. Ouais, t'as vu, ça va super bien.
Je crois qu'on est au top. Est-ce que vous voulez quand même que je regarde d'autres bas? Je peux toujours regarder les bas. Ça peut être une jupe, ça peut être. Tu me donnes trop envie de jouer le jeu. Je crois que je vais craquer et aller martyriser des Sims. Hello Dory, comment ça va? Short? Ouais, let's go, regardez les shorts. Alors, on va aller voir les shorts. Allons voir les styles de shorts. Ah, celle-là, ça rend classe. Je peux changer les couleurs en plus. Non. Bof. Merde, mais non! On avait dit short. Écoute, ça va bien. Je profite de ma journée tranquille. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, je le dis. Je le dis haut et fort. J'ai pris 28 ans aujourd'hui. 28. Et la semaine dernière, c'était celui de ma meilleure amie Manon, justement. Ouais, ce short, hein. Attendez, j'ai pas encore fini de regarder tous les shorts, hein, en vrai. Non. Oh, le mini short! Oh, le mini short! Il est excellent! Oh là! Attendez, je viens d'avoir Steam qui fait, vous avez reçu un nouveau cadeau. On vient de m'offrir, j'ai une amie qui m'a offert Final Fantasy XIII. Alors, en temps normal, je l'ai sur PlayStation, mais comme je veux rejouer aussi ce jeu sur Steam, sur PC et le live à un moment donné. Alors, par contre, je suis une grosse merde avec ce jeu, mais je suis ravie. Normalement, j'ai aussi mon meilleur ami que tu connais, Manon, qui doit m'offrir un jeu. Alors, je ne sais pas s'il me l'a offert, mais alors, déjà, on va aller accepter le jeu et je vais aller remercier la personne en question. Excusez-moi, je vais remercier la personne en question. Je reviens. Enfin, je reviens, je reste ici, mais je vais voir sur Discord du coup ma pote. En plus, je l'ai vue la semaine dernière, je suis trop contente. Merci pour le jeu! Voilà, excusez-moi, je suis grave contente. Voilà, ça fait juste plaisir. Ouais, de toute façon, je bouge pas, hein, je reste devant le PC. C'est juste que voilà, je remercie la personne. Voilà, je suis contente. Je m'y attendais pas. Ça appara... En plus, je me dis, mais merde, pourquoi j'ai la page Steam qui apparaît comme ça d'un coup? Et là, bah. Ce short. Ouais, ce short est pas mal, mais. Oh, j'adore ce short jupe bizarroïde. J'adore ce short qui fait un peu jupe. On va pas se mentir. J'aime beaucoup. On va changer un peu les couleurs. Il n'y a pas de couleur si bien par contre. En vrai, j'aime bien. En vrai, je vais pas vous mentir que j'aime bien le short. On va voir si. Ah, il y a celui-là aussi qui fait short jupe. Non, j'ai envie de garder dans les tons bleus justement. En vrai, enfin, j'ai envie de changer le. Le short, short, short. Il y avait le short. Il est où le short que j'aimais bien? Il était là. J'aime bien ce short. Excusez-moi, j'aime bien ce short. On va juste regarder les couleurs. Au top. En vrai, là, ça va, ça passe crème. Ça passe crème. Je garde cette couleur-là. Je garde cette tenue. Je garde cette tenue, c'est très bien cette tenue. Ça me paraît pas mal. Par contre, il faut que je vois aussi pour les tenues. C'est tenue habillée. En vrai, je vous cache pas. La tenue habillée, je viens de la voir apparaître comme ça, je l'aime bien. Ça fait classe. Ça donne un style. Je crois qu'on va la garder comme ça, la tenue habillée. Juste pour le style. Alors des fois, je peux être là en mode... Oh,
C'est parfait. Alors peut-être les chaussures. Les chaussures, j'ai peut-être les champs. Ouais, non. En vrai, je vais les garder comme ça. C'est drôle. C'est assez drôle. C'est quand même assez drôle. Change quand même les couleurs pour pas avoir trois couleurs différentes. Ouais, là, je vais changer la couleur du haut. En vrai, j'ai envie de mettre rouge. Voilà! Ça me paraît très bien en rouge. Ça lui va bien. Hop. Ça lui va bien. Ensuite, sport. Oh la dégaine. Nella! Comment ça va? Mais vous êtes nombreux aujourd'hui, ça fait grave plaisir, sachez-le. Je suis grave ravie de voir du monde sur mon live. Je ne m'y attendais pas. Pas autant en tout cas. Ça fait plaisir. De fou. Vous êtes nombreux. Balance les confettis. Oui! Schlack! Alors, la tenue. En vrai, juste pour le fun, j'aime bien aussi. Je vous cache pas qu'il y a des tenues, je suis un peu en mode. Non, celle-là, elle me plaît bien. On va peut-être changer les couleurs. Juste pour le plaisir de changer les couleurs. Les lunettes, ouais, t'as vu, ça rend fun, hein, en vrai, hein, ça rend classe, hein. Moi, je trouve que ça rend classe, la tenue. Voyons voir un peu les couleurs. Ah, celle-là est pas mal. J'aime bien cette couleur-là. Oh, ça, par contre, ça nique les yeux. Mais aller avec les lunettes. Alors, pour aller avec les lunettes, je trouve que. Ouais, cette tenue-là, c'est quand même pas mal. On va rester dans cette couleur-là. Le short est pas assez flashy, je trouve. Attends, on va changer le short. On va mettre un autre short, du coup. Le flashy? Ça c'est flashy! Mais ouais, l'orange, attends, tu veux parler? On parle. Attends, on revient sur l'orange. Celui-là? Ou celui-ci? Parce qu'il y a deux types d'orange, du coup. Il y a le orange avec du jaune, je crois bien. Et le orange. Celui-là, orange-blanc? Allez, on go sur ça, orange blanc. Parfait. J'ai un gant. Ah ouais, mais le gant, c'est l'ensemble de la tenue, ça. Ok. Allez, on va sur sommeil. La tenue. Alors moi, je cherche les nuisettes. Il faut que je retrouve où sont les nuisettes. Ah, on va plutôt aller sur le corps entier. Non, c'est. Oui, si, sommeil. C'est ça qu'on veut. Nuisette. La dégaine. Ouais, t'as vu la dégaine pilou-pilou? Ah, j'aime bien cette nuisette. Au secours, j'aime bien. Voyez voir les couleurs. Parce qu'on aime bien varier les couleurs. Ça fait un peu fâchis. Ah, j'aime bien. J'aime bien cette couleur-là. Si tu mets une nuisette, il faut les mules à pompons et à talons. Avec la petite paire de charentaises. Ouais, ça par contre, je suis désolée, on va pas aller. On va garder plutôt ça. Sandales, non. Sans talons. Mocassins, chaussons. Avec talons. Oui, bah forcément, on va pas avoir de chaussures avec talons, hein. Non, ça va en vrai. Ou alors juste, tu mets rien, genre pieds nus. Moi, quand je suis en nuisette, je suis pieds nus, hein, donc bon, tant qu'à faire, autant rien mettre au niveau des pieds. Voilà, on est d'accord, hein, on met pieds nus, ça va très bien. On va laisser pieds nus, c'est très bien. La tenue, j'ai envie de la laisser de cette couleur-là, parce qu'on a quand même une tenue bleue au début. On a une tenue rouge et jaune. On a une tenue orange et blanc.
Et là, on a une tenue. Ah non, du coup, là, il faut que je varie. Alors, attendez. Alors, on va mettre cette couleur-là. C'est pas grave, ça va très bien aussi. Pire, c'est pas très. C'est juste pour l'histoire du fun. On se rate tout. Alors, fête. Tenue pour la fête. Ah, voyons voir. Qu'est-ce qui est. Non. Ah, j'aime bien. Ah, cette robe. Avec des couleurs différentes. On regarde cette couleur? Non. Ah, ça ressort! Je trouve que cette couleur-là lui ressort bien au niveau du corps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça lui ressort bien. Et avec les bottes, ça va. Enfin, avec les chaussures, ça va plutôt bien aussi, ouais. Je resterai bien sur ce ton. Ouais, on est d'accord, c'est plutôt pas mal. On va garder ça, on va garder ça. On va garder ça. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le style. Elle est parfaite, on est d'accord, hein, tant que tu ne fais pas de grosses chaussures. Alors, j'ai bien envie de lui mettre un bracelet parce que bon, fête, qui dit fête dit quand même avoir un petit truc au bras. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Ça? Mais alors peut-être pas dans ces tons-là. Ça pour les tons de la tenue. Non, on va pas prendre ça. Ça? Non. Ça? Ah mais je peux avoir sur les deux poignets. Ok. Ah ouais, on est d'accord, le collier, hein, on est d'accord. Ouh là, alors je mets un truc là. Non, ça va pas, Ghosty. Ah ça rend bien. Voyons voir la couleur. Vu qu'on a une couleur assez foncée, on va mettre un peu dans les mêmes tons, si on peut. Ah non, faut que ça ressorte. Ah ça va. Ça me plaît. On va mettre dans cette couleur-là. Et le bracelet, le deuxième bracelet est où? Je l'ai mis où? Là. On va mettre un peu plus dans les tons, dans les tons, dans les tons, dans les tons. C'est peut-être dans les tons, je crois pas, je sais pas. Là, c'est un peu plus dans les tons. Le collier, oui, on va aller chercher le collier, vous inquiétez pas. Alors, collier. Collier. Ah, mais j'ai pas les colliers qui sont proposés sur cette tenue. Tant pis! Ah, si, là. Non, bague, gants. Ça, c'est bracelet. Ongles des pieds. Ceux qu'on voit pas, les ongles des pieds. Chaussettes, non, on s'en fout. Là. Ah, si, les doigts, les doigts, les doigts, les doigts, les doigts. Allez, au point où nous en sommes, faut faire les doigts. J'ai eu un ping dans les jeux vidéo, alors attendez. En même temps, les derniers Pokémon, on va pas se mentir, c'est pas du grand art. Oui, bah oui, ça c'est sûr, on est d'accord. Alors, les ongles, qu'est-ce qu'on va prendre? Ils sont pas si intéressants que ça, les ongles, hein, je trouve. À la limite, ça. Ça va être quoi comme couleur? Rouge pour aller avec la tenue. Faire des ongles stiletto avec des couleurs flashy, j'ai tout été donné là. Ah oui, non, mais t'as bien raison. Avec des couleurs flashy, flashy, flashy. Alors, on va tout tester. Il me faudrait des trucs flashy, mais. J'ai pas grand-chose de flashy, j'ai l'impression, hein. Alors, ça, j'aime pas du tout. Ça me paraît plutôt pas mal. Un peu de rose et un peu de. Ou sinon bien rouge. Stiletto, c'est taillé en pointe. Ah, stiletto taillé en pointe, genre arme de défense ou pour se curer les dents. Il y a un peu ça, il y a ça. Ah, c'est ceux-là qui sont taillés en pointe, regarde. Je les ai. Les tailles en pointe. Alors, voyons voir un peu les ongles. Bah rose, avec la tenue rose, ça me paraît logique, du rose. Ouais, allez, on garde cette couleur, cette tenue-là. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Il nous reste maillot de bain. Passons au maillot de bain! Allez, les maillots de bain, let's go!
Alors. Il n'y a pas beaucoup de choix de maillot de bain. Je suis très déçue. Normalement, si, il y a plus de choix en maillot de bain. J'aime bien lui. J'aime bien. Alors par contre, aller avec la couleur de sa peau, quelque chose en blanc. Ah si, blanc. Mon favori, c'est le haut sans bretelles et là-bas avec un petit foulard mi-transparent. Le haut sans bretelles. Celui-ci? Ah oui, mais j'ai pas le pack des sirènes, je crois. Non, mais on est d'accord, les cheveux, on va pas garder comme ça, vous inquiétez pas. Ça, on va retirer. Voilà. On n'est pas assez fou pour... Hein, dans t-shirt, tu l'as? Dans t-shirt? Mais là, je suis dans les maillots de bain, c'est dans les t-shirts. T-shirt, peignoir, lingerie, tablier, salopette. Non, nous, on reste dans les vêtements de bain. Je pars 30 secondes et tu me fous un flip. Pardon. Les deux pièces. Je trouve pas les deux pièces, putain. Chou est maintenant en ligne. Ah, il y en a une qui vient de se connecter. J'ai pas les deux pièces. J'ai qu'une seule pièce, là. Dans les hauts. Ah, faut que j'aille dans les... Alors, attends. Ok. Dans les t-shirts. Oh, pardon. Oui, ok. Ah, oui, vêtements de bain. Oui, les deux pièces. Ok. Ah, oui, c'est vrai que j'ai le... On a 5 viewers! Ça, c'est trop cool! Je t'ai dit, je vais craquer. Bah oui, j'ai vu que t'avais craqué. Effectivement, t'as le pack avec les sirènes. Bah, je me souvenais pas que j'avais le pack avec les sirènes, tu vois. J'aime beaucoup celui-là. On veut pas se mentir. Celui-là, il est classe. Bon, faudra juste que je trouve le bas de maillot, mais le bas de maillot, on peut pas le changer s'il est juste comme ça. On peut le changer. Ah si, sûrement dans les bas ici, oui. Couleur. On va quand même changer la couleur. Hein. Qu'est-ce qui sort avec sa peau? Oh. J'essaye un peu toutes les couleurs. Ah, le vert. Le bleu vert, bizarroïde, est plutôt pas mal. Bleu clair? Ah, moi j'aimais bien le bleu vert. Il te manque beaucoup de kit pack. Il m'en manque 4 à peu près. Genre, il me manque les 4 derniers. Il me manque. Ouais, à peu près ça. Voyons voir le bas. Bah, maillot de bain, voyons. Alors, voyons voir. Non. 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 Ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien. J'aime bien celui-là. On va changer les couleurs pour aller avec. Ah ouais, un peu trop foncé. Ah. Sinon, on va changer. Non. J'aime bien celui-là, je vais garder celui-là. Ah, celui-là aussi c'est ton favori. On est d'accord, hein. Je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts. Je vais garder cette couleur-là, ça va plutôt bien cette couleur-là. Alors, ensuite, on passe à ton chaud. Quand il fait chaud. Voyons voir. En vrai... Je crois que c'est les deux qui vont ensemble, ce que t'as pris. Il me semble à peu près, ouais. En vrai, temps chaud, j'ai envie de prendre ça. On va voir les couleurs. Je trouve que c'est la couleur qui ressort le mieux quand même, le rose. Hein. Pourtant, je suis pas très rose.
Mais je trouve quand même que c'est la couleur qui lui ressort le mieux, mine de rien. Je trouve que ça lui ressort le mieux. On va prendre ça. Le bas, le bas, le bas, le bas. Hop là. Non. 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 Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Mais par contre, non, pas en blanc. Pas en bleu. Ah, cette couleur. Ouais, cette couleur là. Et je vais prendre cette couleur là pour le temps chaud. Après c'est plus, enfin après c'était surtout la première tenue que je voulais changer. Temps chaud, j'ai envie de mettre des talons parce que les talons c'est la vie. Celles-ci elles sont pas mal. J'ai rien pour aller avec les vêtements, je crois. Ah, si ça va. Ces couleurs-là, ça va. Passons à temps froid. J'ai envie de laisser comme ça. Excusez-moi, j'ai juste envie de laisser une tenue aussi comme ça pour le fun. Pour le plaisir. De laisser comme ça. Alors, peut-être pas la couleur, par contre. Voyons voir ce qu'il y a en couleur. Ouais, elle est classe, hein. Je vais juste changer le bois pour la couleur. J'aimais bien le vert kaki orange. On va prendre le vert kaki orange. Le bas, on va changer aussi la couleur. Ah, ça va bien ensemble. Ouais, allez, on garde ça. Ça va me paraît plutôt pas mal. Allez. J'ai pas fait la couleur des yeux de mon personnage. Ah non. Changeons la couleur des yeux, c'est important, c'est primordial. Ah. Alors. Voyons voir ça. J'ai pas fait les yeux. Au secours. Bah, les yeux bleus comme les miens, voyons. Forcément. Pardon, fallait que je fasse une connerie. Alors, on va prendre ce bleu là parce que le bleu c'est la vie et le bleu c'est la. Bref, excusez-moi. Voilà, je crois qu'on est plutôt pas mal avec le personnage. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, on va remettre sur sa tenue de base quand même. Hop là, voilà. Hop là, vous en pensez quoi? Elle est plutôt pas mal, hein, mine de rien. Cela va pas avec le vert de la veste. On s'en fout. Mais je suis d'accord, effectivement, ça va pas avec le vert de la veste. Mais lui, des gants et des chaussettes en hiver. Ah, attends, oui, attends. Hop, des gants. Oui, effectivement, ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne idée. Accessoire. Gants. J'aime bien certains styles. Ah, ceux-là, ils sont pas mal. On va changer la couleur. Pas vraiment de différence de couleur. Hein. Ah. Allez, c'est comme ça. On va mettre noir. Oh voilà. Me fais pas peur. Attendez, je reviens une minute. Putain, tu m'as fait flipper. Mais ça va te souhaiter bonne idée. Ah, putain. Je suis en plein live, si il me semble. Oui. Oh, il m'a fait peur. Non, je ne suis pas mourue, en fait. Il s'est passé que j'ai la porte fermée parce que, bah, le souci, c'est que si je garde la porte ouverte, il va tout entendre de ce que je dis. Bon. Et du coup, je ferme ma porte pour que ça s'aminuise le son. Et le souci, c'est qu'il a ouvert la porte d'un coup. Et elle fait bou. Et ça m'a surprise. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pensez à bien boire en tout cas. C'est important de boire. Du coup, le bas, ça va pas, la couleur ne va pas avec. Bon, alors, on va écouter l'experte. L'experte, c'est quand même Estrella. Dis-moi. J'ai eu un message. De qui? De quoi? Non, c'est bon.
C'est pas des messages importants. Quelle couleur je vais mettre? Parce que du coup, si ça va pas avec. Ni avec la veste. Parce que la veste, c'est pas moi qui choisis. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Ou sinon, faudrait que je change la couleur de la tenue. Faudrait que je change plutôt ça du coup. Gris c'est classique mais bien. La couleur de la veste ne va pas avec tes yeux. Ah! Le rouille. Rouille. Celle-ci? Non. Alors attends. Je suis pas très douée en nom de couleur. Celle-là? Vu qu'on a un petit temps de décalage en plus. La troisième. Ah, tu parles de celle-ci? Le troisième. Ok. Ok. Et du coup, là, ça va? Non, les cheveux, justement... les cheveux, c'est fait pour... J'ai envie de cheveux un peu... de cette taille-là, justement. Parfait, du coup on est bien. Bon alors on va juste changer les on va mettre des bottes. Des bottes. Il me faut des bottes. Des bottes. Bon ça ressort pas. Oh merci à Mitsuki44 de me suivre, ça fait plaisir. Comment ça va, Yami? Je vais rester sur cette tenue. Sa tenue pour l'hiver, elle est plutôt pas mal. Juste les gants, la nuit, il faudrait que je les change de couleur. Les gants, on va changer un peu les couleurs. Ah, cette couleur-là, ça va bien. En vrai. On va prendre cette couleur. Dommage qu'ils font pas les gants gris. Ah quoique. Oh non, cette couleur-là ressort avec le milieu de la tenue. Bah let's go. On est plutôt bon. J'ai encore piqué du nez, mais Ava et vous. Bah en même temps, si t'es malade et que t'as le Covid en plus, repose-toi un petit peu, Miss. Sois en forme pour ce soir. Moi j'ai envie de dire. Mais je comprends, moi j'ai dormi cet après-midi hein, aussi. Hein. J'ai fait une sieste d'une heure, une heure et demie, ça m'a fait du bien. Alors du coup maintenant il faut quand même qu'on passe à... alors oui je prends un petit peu mon temps, hein. Ça fait déjà une heure qu'on est sur le jeu, mais on est en train de faire juste le personnage. Mais j'ai pas d'heure, je m'en fous. alors qu'est-ce qu'on va mettre? Alors moi je mets toujours créativité en principe. J'ai chaud, c'est pas normal que j'ai chaud. Excusez-moi, je me déshabille un petit peu, on va dire. Ah bon, cette place-là, on la bouge. Hop là. Et on met ça derrière. Voilà. Alors, on va mettre créativité, parce que créativité, c'est ce que je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Créativité en génie de la musique, en peintre extraordinaire. Grande actrice ou alors auteur best-seller. Tout dépend de ce que je veux commencer. Oui, JPPIQ, oui, t'as tout à fait le droit. Moi, j'ai une tendance à commencer par peintre. C'est ce qui démarre le mieux en général. Donc, je pense que je vais faire peintre extraordinaire. Allez, on part sur ça. Préparation des packs pour le téléchargement. Oula. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ensuite, catégorie couleur, genre de la musique, activité. Là, il faut qu'on choisisse les trois.
Du nouveau contenu a été installé, mais il ne sera disponible qu'au redémarrage du jeu. Redémarrer maintenant. Les données non sauvegardées seront perdues. Bah non, 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 non. On va pas redémarrer maintenant. On va d'abord finir le personnage. Sinon, je perds tout ce que j'ai fait. Non. On va redémarrer après le jeu si tu veux, mais pas tout de suite maintenant. Au secours. Alors, on va prendre créative, parce que j'adore la créativité, forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On aime la musique, parce qu'on adore la musique. Et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Bienveillante? Ouais, on va prendre bienveillante. Allez, on prend le jeu qui fait sa loi. Ouais, t'as vu? Et là, sélectionnez ce que votre Sims aime et n'aime pas faire. Aime et n'aime pas faire. Ah oui, on peut choisir maintenant. Ah non, ça c'est la loose. Qu'il faut choisir maintenant le aime ou n'aime pas faire. On va mettre dire qu'il aime le bleu déjà. Attends, j'ai la peine de choisir. Au pire, ça peut pas se faire sur le petit à petit. Alors, prénom, comment allons-nous l'appeler? Comment je vais l'appeler? Tu vas avoir des messages pendant le jeu vis-à-vis de ça. Petit à petit. Ouais. Bah, je pense que là, je vais peut-être enregistrer le personnage et je vais aller faire la mise à jour parce que vu qu'il va me le dire sinon tout le long. Alors, comment on l'appelle? QQ sera son nom. Ah, tu veux que je l'appelle QQ? Ah ouais, il faut que je mette l'apostrophe aussi pendant qu'on y est. Ah ouais, non, c'est un peu long l'apostrophe. On va mettre QQ. Alors, attends, on va faire comme ça. QQ, voilà, le nom. Slash, slash, comme la chanson. On peut l'appeler Baby QQ, hein, mais... Donc le nom, on a QQ. Ah, vous voulez vraiment que je l'appelle slash slash QQ? Baby QQ? Baby, mais baby, mais baby. Ouais, allez, baby. On va mettre baby, son prénom, QQ, son nom de famille. Ça vous convient? Oh la pauvre, on est en train de la massacrer quand même. Non, on va quand même, essayons quand même de lui trouver un bon petit prénom quand même, je pense. Même si c'est assez drôle, je trouve. Allez, vas-y. On va dire que ses parents l'ont appelé Baby, mais on... si elle... slash en nom de famille. Non, justement, c'est QQ, son nom de famille. Justement. C'est pour ça qu'on dit Baby QQ. Mais ça aurait pu être drôle, hein, le slash en nom de famille aussi, hein. Mais non, on va partir sur Baby QQ. Je trouve que ça peut être amusant. Choisissez ce que votre Sims aime. Mais on est obligé de... Alors, émotionnaliste, toi qui joues souvent, est-ce qu'on est obligé de vraiment choisir de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas? Moi, j'ai même pas la référence, hein, donc... Mage plus F1, mais... Crotte? On va voir après. Tu veux l'artiste MDR? Non, non, ça ira. Je veux pas. Bon, allez, maintenant on a. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Enfin, sérieux. J'arrive même plus à parler. Il va falloir choisir. Je suis tellement morte de rire que j'arrive plus à parler correctement les gens. Quand tu feras des activités pendant le jeu, t'auras parfois des messages de dire aime ou aime pas ou telle activité. Oui, non. Mais non, je veux pas télécharger maintenant. On va commencer par printemps, parce que le printemps, c'est beau, c'est bien, c'est ma saison préférée, en fait. Voilà, c'est tout con. Ensuite, aha, la ville. Elle va finir par cliquer sur quitter par accident. Et sans enregistrer, ça, ce serait tellement con. Tu construis ta maison ou tu prends une déjà faite? Alors, en vrai, je vais en prendre une déjà faite. Et plus tard, je compte construire sa maison. Ça peut être drôle aussi de faire justement une partie où je construis sa maison. Alors,
Moi, il y a un endroit que j'aime beaucoup. C'est quand même Glimmerbook, le lieu. Ouais, il va falloir que j'enregistre vite, mais 17 000 résidentiels, bof. Où je peux construire effectivement, mais on va choisir un autre lieu. Qu'est-ce qui peut être pas mal? Qu'est-ce qui peut être pas mal? Ça me surprend aussi peu de monde. Ouais, j'essaie d'acheter une petite maison, pas une grande maison. Winterbourg. Ah, Winterbourg, c'est plutôt pas mal pour commencer en soi. Alors, là, on peut avoir une petite maison résidentielle à 13 609. T'inquiète, 21h, on sera beaucoup. Oui, ce soir, il y aura beaucoup de monde. On fait du Falge... Du fal, j'arriverai jamais à le prononcer. On fait du Falge... Guys. je me fais tuer... Je me fais tuer quand je le prononce mal. Est-ce qu'on part sur cette petite maison? Ou alors il y a la petite maison ici avec deux chambres, une toilette à 16 665. Mais après, comme on est seul, je me dis, on n'a jamais assez de monde dans les Sims. Ouais, on est d'accord. Ou alors je la mets dans la résidentielle à 30 fois 20 qui est à 13 609. Avec une seule chambre et toilette. Ou alors là, on a un peu plus grand, mais jamais assez de place. On va prendre la plus grande. Je vais prendre la plus grande avec les deux chambres. Ça peut être pas mal. Je vais prendre la plus grande avec les deux chambres. Et au pire, c'est pas grave. Il me restera pas assez de sous, mais voilà. Bon, allez, on va vite meubler. Oui, on va déjà la meubler parce que ça peut être pas mal. Du coup, il nous restera pas beaucoup de sous. Mais c'est pas grave. En fait, la deuxième chambre, je vais la transformer en terrain... Bon, on va enregistrer vite, parce que je sens que le jeu, il va me dire, il va me refaire. Allez, hop, tu fais ça. On va enregistrer, au plus vite. Sauvegarder, oui. On sauvegarde. Voilà, c'est bon, c'est sauvegardé. Maintenant, si le jeu me dit, il y a tel ou tel match qui a eu lieu, je vais pouvoir faire oui, et on relancera le jeu juste après. Voilà, déjà, elle doit... Hop, allons découvrir l'intérieur. Alors... J'ai quand même un lit de deux places et un petit lit. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai pris cette maison-là, en vrai? Alors, il manque une télé. On a la cuisine. What? Attendez, on doit passer par le salon pour aller à la cuisine. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Selon les standards, les Sims, ceci est un appart crousse. Ouais. Alors, nous, en vrai, on a dit qu'on allait transformer cette chambre. Donc, cette chambre-là, on va supprimer 2-3 trucs. On va virer le lit. À peine arrivé, on vend déjà des trucs. Alors, je dis ça, je dis rien. Oh, je suis à 7 viewers. Mais oh my god, 7 viewers à la fois. Oh là là, mais vous me faites grave plaisir, les gens. C'est vachement animé. Et je crois que sachez que c'est la première fois que c'est aussi animé sur le live. Hein. Avoir autant de monde qui parle comme ça, ça fait grave plaisir. Je vais en faire un bureau. Alors déjà, vu qu'on est parti sur du peintre, créatif peintre, il nous faut de quoi peindre. je ne sais plus c'est quoi peinture dans créativité. Voilà, il nous faut donc le chevalet. Forcément, on prend un chevalet. Hop. À ta place, j'irai voir mon menu Origin si jamais il y a une mage, car ça peut te bugger le jeu. Alors attends, du coup, je vais enregistrer. Je vais faire sauvegarder, je vais mettre en pause vite fait. Alors, quoique je suis déjà sur pause, hein, on va dire. Et on va aller voir Origin. Origin! Ok. Gestionnaire de téléchargement. Ah, mais c'est parce que j'ai le kit premier look, c'est le kit campeur qui s'est mis à jour. Donc c'est peut-être pour ça, du coup, faut que je relance le jeu. Coucou Chelsea! Oh mon dieu. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde. Arrêtez là, vous me faites grave plaisir les gens. Il y a qui de présent? Il y a Manon, il y a Chelsea, il y a Yami, il y a Evie, il y a Estrella de présent, il y a Emotionalise de présent, ça fait déjà quand même 6 personnes. Ouais. Ouh. On voit que c'est un dimanche. Il y a Dory aussi qui est là, donc ça fait 7 personnes, 8 personnes peut-être qui sont là. Ah mais vous me faites grave plaisir là les gens. Qui dit mieux à 21h? 21h, on est... Combien de joueurs? Alors là, ce soir, en plus, vous allez être en vocal avec moi en plus. Enfin, pour certains, il y aura Emotionalis qui sera présent, il y aura Sato qui sera présent, il y aura toi qui sera présent. D'ailleurs, on va tourner parce qu'on est 6 en tout. À jouer à Fall Guys ce soir.
Ah non, 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 mais au contraire, justement, moi, vous... Ça me... Non, c'est même très bien. Non, 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 c'est même très bien. Je suis grave contente, genre vraiment. D'une force. Citation, qu'est-ce qui a été dit dans citation? Citation, baby QQ, oui, bah oui, effectivement, fallait mettre ça dans les citations. Tu as des mages car je t'ai envoyé deux petits trucs. Ah, mais alors attendez, ok, c'est toi qui m'as envoyé des trucs, Manon. Mais vous. Entre Estrella aujourd'hui, Manon qui m'a envoyé aussi des petits trucs, et en plus je sais qu'il y a mon meilleur ami qui m'avait dit qu'il allait m'envoyer un truc. Non, mais vous voulez. Arrêtez, vous me faites juste trop plaisir là, vraiment. Non, mais. Alors du coup, je relance les Sims, excusez-moi, c'est à cause de la petite mage qui a eu lieu. Ah là 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 là. Attendez, on va quitter Sims. On a enregistré, donc on va faire sauvegarder et quitter. Je reste en. Le temps que les petites mages se font, je vais mettre à la limite la cam. Non, non, mais je reste, hein. Ah non, tu parles de. Ok. Le temps que. On va mettre la grande cam en attendant. Ah là 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 là. Du coup, hop, gestion d'anneau téléchargement. Ok. Ok, les Sims sont en train de se relancer. Bon courage pour écrire, Shaxi. En train de RP, je suppose. Oui, t'as intérêt de rester, Nella, parce que sinon, bah, parce que sinon je boude. Voilà. Les Sims se relancent. Ah, what's RP, ouais, c'est bien ce qui s'en est. Alors, bienvenue dans les Sims 4 petits campeurs. Oui, bienvenue dans les Sims 4 premiers looks. Oui, alors attendez, parce que du coup, faut que je remette sur les Sims. Voilà, comme ça, vous pouvez à nouveau voir ce qui se passe. Si les Sims veulent bien. C'est bon. Ah là là. Allez, on reprend la partie qu'on va commencer enfin officiellement. Après un certain temps, nous commençons enfin, après 1 heure de stream, on commence enfin à faire la partie. Du coup, on était en train de faire un petit bureau. On va faire un bureau parce que bon, bureau, ça peut être pas mal. Un petit bureau, 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 bureau. On va prendre une simple console parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour commencer, hein. On va mettre ça. Un ordinateur aussi. On va prendre le moins cher forcément parce qu'on n'a pas beaucoup de sous non plus, hein. Bon, allez, on va lui mettre un ordinateur portable. Ça va nous niquer les sous. Allez, un petit ordinateur portable. Les chaises. Chaises. Une chaise. Alors, si je marque chaussures, ça va pas trop faire. Chaise de bureau. Voilà, on va prendre une simple. Hein, voilà. Bon, il nous reste 2000 dessous. Je vais y mettre un violon. Un violon, parce qu'on va faire un peu de violon. Ça peut être drôle, du violon. Allez, un petit violon aussi. Hop. Voilà, elle a sa petite zone de musique. Ce soir, je vais me faire livrer, je crois, car on n'aura pas de pause live. Normalement, j'aurai Miam, ça sera pratique. Moi aussi, normalement, j'aurai mangé entre-temps. Alors, du coup, on commence enfin officiellement. Alors, il nous faut travailler. Bah oui, parce que travailler, c'est quand même très important, mine de rien. Il nous faut un travail. Allons voir quand même ce qu'on va travailler pour débuter. Alors, réseaux sociaux, carrière, carrière. Commençons par trouver un emploi. Allons choisir. Tu peux juste vendre tes peintures. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux juste vendre les peintures. Mais j'aime bien aussi commencer dans un premier temps. Coucou à Sol. Non mais, il y a tout le monde qui se ramène petit à petit. Ça fait grave plaisir. On arrive au moins 7-8 personnes qui parlent sur le stream. Oh là là, mais vous me faites grave plaisir, sachez-le. Eh ben nous, on va partir sur... Pas peintre. Parce que voilà, c'est drôle.
Comment ça va, Sol? Putain, c'est la première fois que c'est aussi actif. Bon, alors, qu'allons-nous faire? Il va y avoir certainement du monde. Petite pause dans mon recopiage de cours. Ah, et du coup, tu viens me voir en stream. C'est bien. Alors, attendez, je vais juste faire un switch de ma caméra pour éviter que ça vous gêne. Parce que là, du coup, ça cache un peu certaines choses. On va la mettre par là. Allez, en haut. Ça cache rien. Alors, j'ai pas créé ma jolie maison. Mais j'ai créé mon personnage, du coup. Donc, voilà. Voilà. Du coup, on a déjà... Alors, ça, c'est mon personnage. Alors, attends. J'aimerais bien te le mettre en face, que tu puisses mieux la voir. Voilà, c'est le personnage qu'on a créé. Ouais, fait de la musique un peu... Ouais, on a créé le personnage. Hop, donc là on a le boulot. Par contre, on va commencer. De toute façon, c'est les débuts, donc forcément ça va être très calme au début. Si, normalement il y a les voisins qui vont venir nous voir entre temps. Est-ce qu'on la laisse continuer à faire du violon? Ce massacre de violon. Oui, après tout, faut qu'elle apprenne, hein, j'ai envie de dire. Faut qu'elle apprenne à faire du violon. Parce que oui, moi dans mon objectif, ce sera de faire tout ce qui se trouve ici, c'est-à-dire tous les aspirations. Parce que oui, j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi créativité, du coup tu vas l'envoyer à la fac. Oui, alors dans l'immédiat non, mais moi je fais sur du long terme. Donc c'est-à-dire qu'elle va avoir des potions de vie, tout ça, voilà. Et je pense que je la ferai vite transformer en... Je pense que ça peut être drôle sur certaines choses. C'est pas un massacre, c'est une performance artistique symbolisant le fait qu'il y a un début à tout et que chacun de nous, il y a nul artiste voyant. Non mais totalement, hein, t'as totalement raison Yami. Bon alors nous on va commencer à la faire plutôt peindre, hein, parce que mine de rien c'est un peu notre objectif pour le coup. Mais en vrai j'ai hésité à l'envoyer à la fac. Mais dans l'immédiat je vais d'abord la faire travailler un petit peu. Et après, on l'enverra à la fac. Histoire de gagner un petit peu de sous quand même, parce que bon... Non mais Baby, on l'a appelé quand même Baby. ça me tue. Alors, Manon, je te vois tout le temps être... est en ligne. Tu fais des aléas? Je te taquine. Ah, j'ai un comité d'accueil. Ah, alors du coup, faut qu'on arrête de peindre. Voilà, on va aller accueillir les gens. Présentation amusante, présentation amicale. Alors, présentation amicale. Là, on va faire une présentation amusante. Tiens. Ça aidera à payer la fac. Oui, bah oui. Ah non, ton jeu Sims, il bug. Ah, c'est la loose, ça. Prends des bourses avant l'inscription à la fac. Ouais, ça, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'améliore d'abord toujours mon personnage dans un premier temps. Parce que justement, les bourses, c'est grave important. Méga important même. Alors attendez, on va rapprocher un petit peu pour mieux voir ce qui se passe. Ah, alors déjà, hop, présentation amicale. Inviter les voisins. Bah oui, on va les inviter, voyons. Inviter le ou les voisins. On va tous les inviter. Et... Ah. Ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Parler de la météo actuelle? Ouais. On va parler de la météo. Complimenter sincèrement. Elle fait peur la dame en vert. Ouais, t'as vu, on est d'accord. Hein. Alors, celle avec le plat, je pense. Hein. Ou celle à droite. Parce qu'il y en a quand même deux, mine de rien, en vert. Discuter de la valeur. Ah, à qui la compétence charisme, oui. Celle sans le plat qui bouge partout. Ah oui, elle. Ouais, j'avoue. Elle fait un peu peur. Raconter une blague grossière. Draguer. Est-ce qu'on commence à draguer? Non. Je suis pas là pour ça. Enfin si, on va faire des petits objectifs petit à petit, mais là on fait connaissance avant toute chose. Non, moi celui que je veux draguer c'est mon vampire. Alors excusez-moi, mais lui c'est le personnage que je veux drague à chaque fois et que je veux me mettre dans le lit forcément. Excusez-moi du mot. Hein, j'espère. Alors j'espère Ivy qu'il n'y a pas. Enfin. Ah, oula, oula, alors, il y a une nouvelle personne qui arrive. Pour moi, c'est elle qui me fait un peu plus peur quand même. Hein.
Attention, dans une image récente, tu peux activer les histoires quartier. Tes voisins vont faire des bébés, adopter des animaux, mourir, changer de métier, sans que tu ne les contrôles. Ah oui! Ah, c'est sympa. Sympathique. Raconter une histoire drôle. Allez, on va raconter une histoire drôle. Partager des idées. Se plaindre des jeunes du quartier. Comment elle est rentrée en mode vénère. Ouais, t'as vu, elle est rentrée en mode vénère. Genre, vraiment... Raconter une histoire dramatique. Parce qu'on adore raconter des histoires. Voilà, on acquit les compétences comédie. Tu peux gérer dans le menu gérer les mondes, dans gérer les foyers. D'accord. D'accord, d'accord. Leçon sur le trait de caractère. Baby est créative. Oui, ça, on le savait. Alors, raconter des ragots, complimenter sincèrement. Ah, discuter des points de locaux de pêche. On découvre des choses souvent dans les locaux de pêche. Raconter une histoire scandaleuse. J'ai envie de faire tout ce qui me passe sous la main. Là, pour le moment, c'est bien. On fait connaissance. Discuter de la paix dans le monde. Alors, attendez, qui me parle? Alma. J'arrive pas à RP avec Dexera. Je viendrai peut-être si la personne se rend compte. Hop là. Je te le dis car au début j'étais deg. Option. Ok. Tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? S'enthousiasmer à propos des nouvelles amas. Oui! Voir les groupes, revenir ces dates-là, partager ses idées, discuter des changements de le quartier. Qu'est-ce qui peut être sympa avec elle? Il n'y a pas grand-chose. Si, on va goûter quand même ce qu'elle nous a préparé. Ça peut être pas mal, prendre un morceau. Ils sont encore dans le jeu depuis le temps. Je te dis qu'on avait tué la famille gothique. J'étais pas contente. Ah! Alors, on parle sur Discord, donc du coup, je vais ouvrir mon téléphone plutôt. Parce qu'on parle en privé et je sais qu'il y a le son du jeu qui disparaît entre temps quand je change de page, du coup, c'est un peu chiant. Excusez-moi, on parle. Directer son groupe préféré. Qu'est-ce qu'on a de pas demandé de regarder les nuages? Ah, le chat qui te dit que tu spams. Ah ouais, bizarre. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont parlé entre temps ou je sais pas. Non, parce que je trouve pas que tu spams. Enfin, j'ai pas fait ce genre de réglage. On a perdu Emotionalist entre temps. ma Baudette n'est plus présente. Elle a dit adieu. Non, je la taquine, sachez-le. En même temps, c'est un peu une partie tranquille. Et aussi, comme ça me permet de parler aussi avec vous. On voit trop vite, je pense que c'est... Je suis sur Assassin's Creed en même temps. Ouais. Tu sais que c'est peut-être un des jeux que... qui m'attire pas tant que ça. J'ai rien contre le jeu, hein. Je peux le regarder en stream ou quoi que ce soit, mais à le jouer, ça me tente pas, en vrai. Ça, le jouer le jeu... On n'a pas grand-chose, se plaindre des problèmes. Allez, on va se plaindre des problèmes. Allez, hop. Le comité d'accueil, ah oui, en fait, elle a pas du tout aimé ce qu'elle a mangé. C'est pour ça qu'elle va pas bien, la pauvre. Alors, en temps normal, je mets en accéléré. Mais là, vu que je suis sur une partie, je n'accélère pas. Comme ça me permet aussi de discuter, de pouvoir faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur notre ordinateur? J'avais d'être bloquée avec la montée de difficulté, mais au final, sur le jeu, je suis trop fort. Ah ah! C'est pas mal. Bon, on va nettoyer un petit peu parce que là, c'est un peu...
y a mis à fond. Bon, il y a tout le monde qui va enfin partir. Alice, je vais te sauter dessus. Oh, les trucs que je lis. Allez, il y a tout le monde qui part. On se retrouve seul en étant un peu malade, on va dire quand même, hein, parce que mine de rien, elle va pas si bien. On va reprendre la toile. Non, tu vas reprendre la toile. Non, parce que Ivy joue aussi à Assassin's Creed, c'est pour ça, voilà. Voilà pourquoi elle va te sauter dessus. qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu ce dont on a besoin. Non, alors pas ici. Compétences. Non, pas là. Non, c'est pas ça. On a besoin de ça. Voilà. Oh, ça va, elle est encore vert partout. Baby en a assez des natures mortes et des peintures à l'huile hors de prix. Doit-elle renoncer aux arts et admettre qu'elle n'aime pas la nature? Non! Bonne soirée à tous, amuse-toi bien, encore bon anniversaire. Merci Manon! Ah, c'est vrai que t'as pas deux écrans, donc du coup tu peux pas et regarder et jouer en même temps. Ça m'a fait plaisir de te voir sur le live en tout cas. Bon jeu à toi! Allons vendre. Allons vendre ce qu'elle a fait. Enfin, si elle arrête de jouer, par contre. Bon, elle a l'air d'apprécier les jeux vidéo. Sur le chemin de la gloire. Toile classique. On va faire une grande toile classique, tiens. Ouais, totalement. L'hygiène, ça va. La cuisine, ça va. Je pense qu'après, on va lui faire un peu de cuisine. Dîner. Oh, quoi qu'il est... Ah, mais c'est qui me harcèle, là? Sur Discord. Mon pote qui me fait qu'il est désolé qu'il a dormi cet après-midi. Oh, c'est pas grave, ça m'a permis justement de faire le live du coup. Ah, c'est quand même mieux ce qu'elle est en train de faire, je trouve. Enfin, pour le moment, on n'a pas encore tout, mais... On va lui faire cuisiner après. Dîner. Ravioli chinois légumes, tiens. On va faire un petit peu d'accélération. Ouais, t'as vu, c'est grave sympa. Si seulement franchement, je m'attendais pas que les Sims aient autant de succès. Mine de rien, alors que pourtant c'est juste un... Là je suis un peu en mode... Mais voilà, c'est vachement sympa ce qu'elle a fait. C'est simple mais c'est sympa. Allez, elle est partie cuisiner là du coup. Oh! Le Wizbot qui m'indique qu'on a 9 viewers! Mais... Les gens, vous savez que vous me faites plaisir. D'ailleurs, ceux qui ne parlent pas, n'hésitez pas à parler, à donner vos avis, à même me follow, à même venir sur le Discord si vous souhaitez. Enfin, n'hésitez surtout pas. Vous voyez, on a déjà une bonne petite communauté qui est quand même présente. Il y a Ivy, il y a Emotionalist, il y a Yami, il y a Chelsea qui nous écoute en arrière-fond. Il y a qui nous écoute encore en arrière-fond. Il y a... Ah, j'ai un appel. Haha. Hé, hey baby, tu es si tristement célèbre que l'un de mes amis sans scrupule a demandé à te rencontrer. Puis je lui ai donné ton numéro. Bah, let's go. Ok. Juste pour... Hop, on va aller prendre une petite douche. Prendre une douche.
On fait comment pour parler sur Twitch? La grosse débutante. On fait comment pour parler sur Twitch? La grosse débutante. Comment ça, on fait comment pour parler sur Twitch? Tu veux dire avec le Wizbot? Non, je comprends pas ce que tu veux dire. Ça sent la dragouille, ça. Ouais, bah oui, c'est clair et net que ça sent la drague. On va aller vendre ce tableau juste après. Un peu plus cher. Activez le micro. Ah, sur Twitch. Alors... je sais pas. Je crois que les gens ne peuvent pas activer leur... Enfin, quand je suis en plein live, il n'y a que moi qui peux avoir le micro ou ceux avec les personnes qui sont avec moi. Mais sinon, sur Twitch, en fait, moi là j'utilise OBS Studio ou Streamlabs. Genre, Streamlabs, je sais que je vais l'utiliser pour. Les games de LoL, de League of Legends. Parce que bah, OBS n'a pas voulu. Non, je suis sur. Je suis pas la pro de Twitch en vrai, pour être honnête. Moi, je t'avoue, c'est des personnes qui m'ont aidé. Ouais, c'est ça, bah, un peu comme quand je fais mes lives justement avec des potes, on est sur Discord et on parle ensemble en fait. Et les gens, du coup, entendent ce que disent les autres, ils entendent. Voilà. Donc, c'est pour ça, ce soir, je me mettrai sur le coin live à plusieurs. Il y aura que ceux qui jouent avec moi, hein, forcément, parce que bah, sinon, c'est pas... Voilà, on risque de s'y perdre. Voilà. Baby devrait commencer à réfléchir à des études supérieures. Consulter les options. Ouais, mais non, pour le moment, on va pas encore réfléchir aux études supérieures. En plus, ça va pas tarder à aller au travail, donc on va d'abord lui faire prendre le petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner, c'est quand même important. Mine de rien. Elle commence le travail à quelle heure? 9h. Ah, ça va, elle a le temps. Elle a du temps devant elle. Il est que 6h23 sur le jeu. On la regarde un peu plus près, hein, cuisiner. Je sais pas comment elle cuisine, mais... elle a quand même atteint le niveau de compétence 2 de cuisine. Hein. C'est déjà pas mal. Alors ça, par contre, on va le jeter parce qu'on ne l'a pas aimé. Du coup, on va le nettoyer après. On préfère notre cuisine, je pense. Hein. Ah, afficher le calendrier. C'est vrai qu'il y a ça maintenant. Bon, allez. Hop, petit nettoyage. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on te fait faire? On va aller te faire faire... Hop, voilà. Parce que c'est très important. Une petite douche. Ouais, parce que l'hygiène, c'est important. Et après, on va aller, elle va aller travailler. Hein. On va aller faire un petit paysage. Ah, mais j'avais pas vu. Mais si, non. Tu vas pas aller faire ça? Non, 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 non. Tu vas nettoyer ça. Non, mais oh. On fait pas les flaques. Ah, voilà. Et là, bah, elle va partir au travail. Donc on va pas lui... Du coup la douche elle est de mauvaise qualité, il faudra qu'on la change. Hein. Elle vient de vider la poubelle sur le sol là. Oui! Oui, oui! Elle. C'est bien ce qui vient de se passer! Zéro! Ah putain! C'est bien ce qui vient de se passer. Hein. Non, non, ça, on a tous bien vu. On va lui faire faire à manger parce qu'elle commence à avoir faim, mine de rien, la miss. T'es guc. On va lui faire faire ça. C'est de là. En fait, tu lui as mis les traits crasseuses dans son outil. Même pas.
Ah, alors qui nous appelle cette fois-ci? Hey baby, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Moira Firace. Tu crois que je devrais passer du temps avec elle? C'est clairement quelqu'un de bien, alors je dis oui. J'ai entendu du positif à son sujet, alors peut-être. Normalement, je te dirais oui, mais pas cette fois. Vas-y, moi j'ai envie de lui répondre, c'est clairement quelqu'un de bien, alors je dis oui, voilà. Mouais. Les autres aussi, est-ce qu'ils passent leur temps à te demander ton avis pour tout? C'est tellement ça. C'est tellement ça. Elle a quand même une petite cuisine, hein, putain. Bon, c'est l'essentiel, mais... On va mettre un peu en accéléré. Ah oh, non, mais... Allons voir les feux d'artifice au festival. Alors, voilà. Allez, allons voir les feux d'artifice au festival Frasque et Humour. Il paraît que c'est le plus beau spectacle de feux d'artifice de la Parce qu'elle n'a pas encore fini de cuisiner, j'ai un peu la flemme parce qu'elle est en train de cuisiner. J'ai pas envie de retrouver la maison. Non, 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 à la flemme. Allez. Toi, tu finis de cuisiner. Laissez-la un peu tranquille, la pauvre. Non, par contre, on va peut-être inviter du monde quand même, parce que son divertissement là, non, son social, ça va. On va aller la divertir. On n'a pas de télé encore, du coup, on va aller faire du jeu vidéo. On est dans un jeu vidéo, mais elle va faire du jeu vidéo aussi. Tout va bien. Elle n'a pas fini sa peinture, du coup. Faudra qu'on reprenne le. Jouer. Allez, jouer à Big Block. Elle va aller jouer après. On peut jouer aux Sims dans les Sims en plus, je crois. Oui. Ouais, Simception, c'est ce qui permet justement de jouer aux Sims dans les Sims. C'est ce qui permet. On va encore accélérer un petit peu parce que bon, au bout d'un moment. Les citations. Vous me tuez. Et si ça se trouve, ils peuvent jouer aux Sims dans son jeu. Et c'est... Ah, t'imagines, ce serait trop drôle. Est-ce qu'on invite quelqu'un à venir? Ce serait cool d'inviter quelqu'un à venir à la maison. Mais après, la sociabilité, ça va, on n'a pas encore besoin de parler avec quelqu'un. Faudra explorer la théorie. Exactement. Techniquement, c'est possible. Ah! On a la connaisseuse! On a la connaisseuse. Alors, le divertissement est quasi bon. L'hygiène, ça va. Le dodo. Et Maxi aime ce genre d'Easter egg, je crois. Ah! Elle est contente de jouer, en tout cas. Hein. Hop, on l'a fait arrêter de jouer. On reprend la peinture du paysage quand même. Tu joues au Sims 1 dans le 2, au 2 dans le 3 et au 3 dans le 4. Ah ouais, d'accord. Sympa. Non, c'est vachement sympa, je trouve. Bon, on l'a fait aller dormir après avoir fini ça? Ouais, on va la faire dormir après avoir fini ça. Commencer 3 toiles en étant inspiré. Ah, qui c'est? Qui c'est? Allez. Elle dort un peu plus longtemps que tout à l'heure, tiens. Alors déjà, on va les cuisiner parce que voilà. Ah, on peut faire des œufs brouillés au bacon cette fois. Un petit nettoyage, puis toilette et prendre une douche. On va faire un petit peu d'accélération quand même parce que bon, on voit quand même déjà tout ce qui se passe. Est-ce
Est-ce que vous voulez que je mette un peu le son? Parce que je mets pas vraiment le son, mais je peux mettre le son en vrai, hein, si vous voulez. Options du jeu. Musique. Audio. Mettre un peu plus à 40. Voilà, 40. 40. 40. Voilà. Mettre un peu le son. Hop, on reprend. Alors, je mute vite fait mon micro. Et me revoici. Non mais, elle a vraiment laissé l'assiette là ? Putain, faut tout lui apprendre à cette Sims. On laisse pas traîner. Va nettoyer. Avant d'aller bosser. Ah bah non, elle va devoir aller bosser. Zut. Elle a pas fini sa douche encore ? Ah si, c'est bon. Elle s'en va buzzer, ouais! Faut que je commence 3 tonnes quand elle est... Ah, mais arrêtez de m'appeler, je suis au travail. Tu as vraiment bien fait de me recommander de passer du temps avec moi, Raphaël. Cela a été très amusant. Ok! Bon, c'est cool, hein. En tout cas, elle a passé du temps. Hein. Maintenant, à nous de bouger un petit peu, hein, je pense. Là! Ah. Je m'installe mieux. Je m'installe mieux. On est à 1h30 de live. Oh, ça va. 1h30 de live. Non mais, Mila Munch, arrête de nous appeler. Hé, hey, baby, je crois que je craque pour... Oh, putain. Excusez-moi. Hé, hey, baby, je crois que je craque pour Michel Calani. Tu crois que cela vaut la peine d'essayer? Oui, Flonge, tu devrais y réfléchir toi-même. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On va pas être méchant quand même. Est-ce qu'on met Wifonce ou tu devrais y réfléchir toi-même? Non, allez, on va faire la bonne amie, on va faire Wifonce. Voilà. Si elle se prend une gadelle, ce sera de notre faute. Non, mais on est au travail, laissez-la travailler. Ah, on a eu une promotion. Yay! Ah, en plus, on est inspiré. Il faut qu'on vende ça, et qu'on commence à peindre en étant inspiré. Go, 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 go. Faut que tu commences à peindre en étant inspiré. Voilà, toile classique, grande toile classique. Allez, hop. Voilà, on est à 1 sur 3. On va peut-être passer le niveau de compétence 1. En tout cas, les amis, pensez à bien boire, c'est important. Même s'il fait plus chaud comme cet été, mais voilà. Pensez à boire. Ah non, mais niveau 3 de compétences de peinture. C'est déjà un début. On va vendre. Ouais, déjà un peu plus cher quand même là. On va en profiter qu'elle soit toujours dans l'aspiration. Call pop art. Allez. Comme ça, tant qu'elle est dans l'aspiration, on dirait Hitler qui... À la fin, du coup, il va falloir. Ah putain, mais elle a pas nettoyé ça quoi. Dîner. Qu'est-ce qu'on lui fait faire aujourd'hui? Tacos au poisson, allez, tacos au poisson. On va lui faire faire un tacos au poisson. Ah, c'est pas mal ce qu'elle est en train de faire. Hein. Moi j'aime bien. Je suis pas très hard de base, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Pas mal. Elle est encore inspirée? Ouais, mais il faut qu'elle mange. Sinon, la pauvre. Plus, ce qui est bien, c'est que quand elle est inspirée, du coup, sa nourriture, elle est pas mal aussi. Faites sauter des crêpes, mélanger cette sauce. Baby est dans son élément. Souhaite-t-elle saisir cette opportunité de constater qu'elle aime la cuisine? Oui!
Ouais, elle aime bien la cuisine. Hein. On aurait peut-être dû la faire cuisinière, hein, ça se trouve. Hein. C'est vrai qu'elle a pas vraiment de table pour manger, la pauvre. Non, tu vas nettoyer ça. Non mais oh. Et après, tu vas aller dormir. Allez, va nettoyer. Et ensuite, on va te faire coucher. Voilà. Et maintenant, dormir. Parce que t'as une journée de travail qui t'attend. Voilà. Faut apprendre à faire... Oui, on est d'accord, hein, elle peut pas faire le ménage correctement, hein. Elle pose ça et puis elle s'en va. Allez, hop, lolo. Non mais je te jure, les personnages, des fois. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de manger. Bah, sortir la poubelle aussi, ça peut être une bonne idée. C'est bien, j'ai même pas eu besoin de te le demander. Waouh! Des pancakes! On va faire des pancakes. Ensuite, on va aller prendre une douche. Elle cuisine. Si on essaie un tout petit peu, c'est pas très très passionnant non plus à l'heure actuelle. Non mais, je vais la buter. Ah non mais, elle qui nous appelle toujours quand on est au boulot. Tu te souviens qu'on avait parlé de Michel? Eh bien, j'ai eu un rencard avec lui, c'était très sympa. Félicitations. Oh, elle a toujours une tendance à nous appeler quand notre personnage est au boulot, hein, sachez-le. Hein. Mais non, c'est pas très cool si on refuse. Ah, quand la musique est terminée. Non, c'est pas très cool si je refuse. Ok, elle a fini. Hop, on va vendre ceci. Elle n'est pas inspirée pour le moment. De quoi elle a besoin? Mais sinon... Allez, on va inviter du monde à la maison. Où est-ce qu'on sort? On invite ou on sort? Non, allez-y, on va sortir. Ça peut être drôle de sortir. Alors, le téléphone. Hop là. Oh, oh putain, ça a changé. Excusez-moi, je suis en train de découvrir les nouveaux trucs. Alors, où est-ce qu'on va se déplacer? Allez. Est-ce qu'on invite d'autres personnages? Ouais, allez, on va inviter tout le monde. Hop, on invite toute la clique. Et on va aller je ne sais où encore. On va sortir. Alors, on va sortir. En discothèque? Ouais, la boîte de nuit, allez, on va aller en boîte de nuit. On va aller faire des rencontres en boîte de nuit. Allez, hop, tout en groupe. Let's go! Allez, elle a son groupe de potes. Alors, te casse pas, parle-leur quand même, parler de la pluie. Se plaindre du cake de fruits, on va peut-être éviter. Parler de la température fraîche. Allez, on va rencontrer des gens ici. Y a beaucoup de blagues, hein. On aime bien les blagues. Ouais, allez. Ils ont l'air cool. On va aller leur parler. Je viens de capter à qui la rousse me faisait penser Willow dans Buffy. Ah, peut-être.
lui je l'aime bien aussi. Présentation amicale. Elle aussi. Présentation amusante. Elle, elle m'a donné envie de pécho. Une fois, elle, j'ai failli la pécho, elle, quand même. Hein. Ah, alors, la blonde derrière, bof, elle est moche. Excusez-moi, hein. Je juge un petit peu sur le gars. Il n'y a toujours pas notre beau vampire. Hein. Je suis un peu triste. On va faire... partager son excitation. Voilà. À discuter un peu de tout et de rien. Elle fait de la tectonique l'autre derrière de fou. On parle un peu avec tout le monde, hein, sachez-le. Je parle un peu avec tout le monde. On va augmenter notre réseau d'amitié, d'amicalité. C'est une célébrité 5 étoiles, la blonde que tu trouves moche. Ouais, je sais, mais je l'aime pas. Ah, j'ai déjà trop d'actions, zut. Faut que je réduise mes actions. À la fin, allons manger. Y'a pas des trucs à manger par là? Si, là. Barman, commande à manger. Allez, un plateau de fromage et de charcuterie. On peut la taper. La pauvre, on va pas la taper. Par contre, on peut tenter de se présenter à la limite. Salut Shiba, comment tu vas? Elle est où votre perso? Elle est là. T'as bien dormi? Tu t'es bien reposé? On va aller retourner parler tout. Voilà, alors. Hop. Elle a mangé? Non, elle a toujours pas mangé, hein. Arrêtez de parler avec les gens. Va manger. Allez, commandez à manger. Ah putain, mais en fait, j'avais déjà commandé à manger. Bon, c'est pas grave. Là, je me suis réveillée et je tombe plus sur le sommeil. Elle se caille. C'est triste. En tout cas, elle a fait pas mal de rencontres. C'est plutôt pas mal. Elle a mangé un petit peu. Ouais, alors tu vas reprendre une portion. T'as pas assez mangé. T'as vu, la blonde, elle me colle, hein. Non, là, c'est un blond qu'on a derrière nous. Mais on va lui demander de partir, là, parce que... faut qu'elle dorme, il est déjà 21h. Et puis bon, elle a le boulot le lendemain, quand même. Hein. Et voilà. Faut qu'elle fasse un peu de travail, qu'elle crée des toiles. Allez, voilà, elle rentre chez elle. Ouais, on l'a fait faire sortir quand même, elle est sortie un petit peu. Ah, une autre étoilée. Les cheveux blancs. On voit autour d'elle. Allez, elle a disparu. Non mais qu'est-ce qu'elle fait? On t'a dit tu rentres. Elle veut pas rentrer chez elle, hein. Elle m'écoute pas, hein. Non mais je te jure, ce personnage. Ça veut pas écouter. Elle veut dormir. Et oui, effectivement, la blonde collait un petit peu à un moment donné le personnage, hein. On est d'accord. Elle t'écoute pas et elle fait mal le ménage, elle est mystique. C'est ça qui est drôle chez certains, justement avec les personnages, je trouve. On sait pas à quoi s'attendre.
besoin d'aller aux toilettes. Oh, effectivement. On va prendre le petit déjeuner aussi. Allez, on va accélérer un petit peu. C'est bien, il n'y a rien qui traîne hein, dans la maison. On a quand même bien fait le ménage tout à l'heure. Au moins, elle fait son lit. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Elle fait son lit. C'est même plutôt pas mal. Ah, ça y est. Hey, vous avez vu, elle a fait son nettoyage. Hein. Ah, on a fini une première étape. Ce qui est bien, c'est qu'elle va au boulot toute seule cette fois-ci. Tranquille. Commence demain le jour de l'amour. Ah, on a encore personne avec qui faire des choses. Normalement, on devrait avoir une promotion. Voilà, on a eu la promotion. J'étais en train de regarder. Ah, maintenant, elle a ses dimanches lundi, elle a plus ses samedis dimanche. Donc en gros, là, elle va travailler une journée de plus encore dans la semaine. La pauvre. Alors, elle est tendue. Comment ça? Anxiété qui monte. A peur d'avoir un emploi sans avenir. Ah! Un emploi sans avenir. Du coup, il lui faudrait un emploi avec de l'avenir. Elle a besoin d'aller à la douche, déjà. Un petit peu de divertissement, on va aller à un petit peu de divertissement. Elle va jouer à vivre les Sims. Tiens. Ah, elle atteint le niveau 2 de compétences de jeux vidéo. Faire de la cuisine. Quel bijouille, tiens. Je sais pas ce que c'est, mais on va lui faire de la cuisine. Mais... Appelez les pompiers ! Appelle les pompiers, couillonne ! Oh non, mais on va la perdre ! Mais non, mais on est en train de la perdre ! Mais quelle couillonne ! Mais... Bah, elle est morte, hein. Non mais tant pis hein, c'est pas grave hein. Elle est morte hein. Ça voudra dire qu'on va devoir recréer un personnage. Sinon je reprends du début. Après tout, on a pas... c'est dommage, j'ai pas sauvegardé entre temps. Le dernier sim de ce foyer est mort, mais vous pouvez créer de nouveaux sims. Choisissez un foyer existant pour jouer, ou placez un nouveau foyer depuis la galerie. Bah, voyons, tu gardes la maison. Sauvegarder et gérer les mondes, hein. Voyons voir un peu... Ah, ça, j'ai pas encore. Il va falloir que je les achète, effectivement, pour avoir les... de nouveaux lieux.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lieux que je peux avoir qu'il faut que j'achète les trucs du coup. Bon. Allons voir à qui on va jouer. Allons voir ce qu'on va faire. Y a quelqu'un ici? Non, allez, on va recréer un Sims. On va recréer un Sims. Sinon, c'est pas drôle. Si on fait juste gérer les foyers. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. Meilleurs amis, ça peut être pas mal. Bon allez, on va partir sur les meilleurs amis. Ça peut être drôle. Alors, Julia et Becca sont meilleures amies depuis la maternelle. Il serait inimaginable qu'elles n'aillent pas ensemble à l'université. Aujourd'hui, c'est à elles de faire en sorte que leur amitié survive à cette nouvelle aventure et au passage à l'âge adulte. Est-ce qu'on tente ce foyer? Ça pourrait être fun. Tu vas les faire cramer. Non, on va éviter de les faire cramer. Mais non, mais en vrai, je m'y attendais pas. Non, en vrai, on va reprendre du début. On va revenir sur le menu principal. Et on va revenir sur... Non, on va pas sauvegarder et quitter. Allez dans le menu principal et on va reprendre notre personnage de base quand même. Sinon, c'est pas drôle. Putain. Je meurs. Franchement, je rigole, hein. Allez, on reprend. Ah, mais faut que je reprenne aussi pour le choix de la maison. Ah, bah ok. Pas très cher, c'est une résidence rustique, pas très cher. 7740, on va aller là, hein. On n'était pas là tout à l'heure, mais allons emménager là. La maison hantée. Ah non, mais je dois carrément recréer un personnage. Oh la loose. Bah, let's go, hein. Allons recréer un personnage. Putain. Je suis tellement con, mais vraiment. Ou je m'arrête là, quoi qu'il est déjà 18h45. Allez, je vais aller plutôt sur une de mes anciennes parties, comme ça vous verrez un peu mes parties actuelles. Ah putain, mais vraiment. Ah mais au moins, on rigole, hein, c'est drôle. Première partie qu'on crée, allez hop, elle meurt. Ça c'est pas à moi, il va falloir que je retire cette partie quand même. C'est pas la mienne. Ça c'est ma toute première partie qui remonte à longtemps. Allez, nous on prend elle. Je pensais pas la faire tourner, la faire mourir quand même, c'est tellement con. C'était tellement pas voulu en plus. Non, pas celle-là, elle est pas hantée celle-là. Elle n'est pas hantée. Par contre, elle est étudiante. Mais elle continue de vivre là où elle est. Et j'ai déjà fait quelques aspirations. Je vous montre les aspirations que j'ai déjà fait sur elle. Alors, j'ai mis de la musique qui est finie. J'ai déjà peintre extraordinaire qui est fini. Normalement, j'ai fortune incroyablement riche qui est finie. Et j'ai encore tous les autres trucs à faire en vrai. Voilà, j'ai encore tout ça à faire.
Nourriture, grand chef, famille, déviance. Peut-être pas la déviance, mais. Voilà. C'est assez comique. Alors, j'ai une chambre d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. On en parle. Et niveau compétences, je crois qu'elle est déjà pas mal en vrai. Niveau compétences, elle a charisme 10 sur 10. Elle a coutume de vampire 15 sur 15. Ils ont tué les anciens proprios, je suis sûre. Non, même pas. Non. Par contre, on a quand même 256 000 balles. Hein. On a cuisine 10 sur 10. On a écriture 10 sur 10. On a. On a guitare 10 sur 10. On a peinture 10 sur 10. On a photographie en 5 sur 5. Là, il y a son mari. Enfin, son mari. Si, ils sont mariés. Putain, je suis con. Et si, ils sont mariés en plus, ces deux-là. Non, ils sont pas mariés. Ils sont âmes sœurs. Ils sont pas mariés, je crois. Allons voir. Ils sont mariés ou ils sont pas mariés? Jeune adulte. Ah, si, 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 ils sont mariés. Ah, et que qui me donne envie de streamer. Bah déjà je donne envie de streamer, je donne envie de jouer, je donne envie à tout le monde en ce moment, écoute. Sont quand même hamster, meilleur ami, époux, maître, parce que c'est quand même lui qui l'a transformé, voisin. Mais elle est vampire? Mais oui elle est vampire, je suis con. C'est une vampire. Elle a la jeunesse éternelle. Voyez voir les boutiques de récompense. Des traits. Parce qu'on peut leur donner des traits. Ouais, mon objectif c'est qu'elle ait tous les traits, ceux qui est déjà ceux qui s'en rapprochent. Hein, c'est qui me parle? Bah en vrai, faut pas hésiter à se lancer. Hein, moi, je me suis lancée, donc voilà. Mais je pense que là, je vais faire une pause parce que vu qu'on reprend vers 20h30, 21h, 21h plutôt. Comme ça laisse à tout le monde de manger, tout ça, tout ça. Et surtout, faut que je fasse aussi le truc de Fall Guys pour le mettre sur mon OBS. Parce que si je peux pas le streamer, c'est un peu con quand même. Ce serait très dommage, très triste. Et c'est une vedette d'ailleurs. Elle est étoilée, elle est... Vedette comment Je sais plus comment on peut savoir pour les... Comment... Là. Voilà, elle est quasi 5 étoiles de vedette. Et elle a une très bonne réputation. Ah, je vous dis, j'ai une partie où... ils ont un grand écran de télé, vous avez vu? Ils ont une belle baraque, en vrai. Ils ont une belle baraque. Ils ont l'espoir d'avoir des bébés. Aussi. Mais pas pour le moment. Pas tout de suite, en tout cas. Et l'étage, c'est ça. Donc en fait, ils ont trois chambres. Une petite terrasse en haut. Là, ils ont carrément chambre avec salle de bain. Donc c'est là qu'ils dorment en temps normal.
Là, il y a la chambre d'amis et là, il y a une chambre. Voilà. Sait jamais s'ils ont des enfants plus tard. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, allez, à 19h, j'arrête le stream. Et j'irai faire l'exportation sur YouTube. D'ailleurs, oui, son truc pour. Là, il y a la guitare. Ah ouais, laisse ses livres dans tous les coins, quoi. Elle est très assidueuse. Elle est très studieuse. Studieuse. J'arrive plus à parler. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme elle a vie, elle est immortelle, elle n'a pas besoin de dormir, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste de se nourrir. Du coup, je peux. C'est pour ça que c'est vachement pratique, je peux la faire étudiante, il n'y a aucun souci. Elle apprend tout. Bon, en vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais vous dire à tout à l'heure pour ceux avec qui je vais jouer du coup et à ceux qui seront présents aussi pour le live. En vrai, je vous donne rendez-vous à 21h, un petit peu avant parce que je lance 5 minutes avant en général. Du coup voilà, donc je vous fais des poutous pour Fall Guys, on tournera un petit peu parce qu'on est quand même 6. Alors moi effectivement je ne peux pas tourner vu que c'est moi qui live, qui stream. Mais faudra tourner un peu entre vous tous en tout cas. Entre Sato, toi, émotionnaliste, tout ça. Donc voilà. En tout cas, on est quand même monté à 9 viewers à la fois. Je m'y attendais pas. C'était vraiment très inattendu. Donc voilà, je vous fais des poutous à tout à l'heure. Salut, salut! Ouais, bah oui, moi c'est parce que je travaille pas demain. Mais oui, toi en plus t'es malade, donc voilà. Dimanche prochain, je ne streamerai pas parce que je ne suis pas à la maison du tout de la journée. Je pars très tôt le matin et je rentre très tard le soir. Donc là, je vais live demain et je liverai très certainement lundi de la semaine prochaine. Enfin, pas ce lundi-là, mais lundi d'après, du coup, si j'ai bien mon dimanche lundi encore. Donc voilà. Mais voilà, du coup, je vous fais à tout à l'heure et des poutous. Salut à tous, n'hésitez pas à me follow si vous êtes intéressés en tout cas. Et si vous voulez en savoir plus sur nous, sur moi, même sur les autres qui étaient là, n'hésitez pas à venir sur le Discord, parce que j'ai un Discord du coup. Ciao!